Mon opinion sur Zakaria est très positive, tant sur l'homme que sur le joueur. C'est un joueur qui est très intéressant pour un entraîneur parce qu'il peut jouer plusieurs postes en attaque. Il est droitier, gaucher, et il a une capacité énorme à répéter les efforts. C'est pour ça que des fois même on est tenté, quand il y a des besoins, de le mettre en défense. Son adaptation était quand même très rapide, mais c'est dû, je pense, à sa mentalité, parce qu'il a tout fait pour vite s'adapter, et au jeu de l'équipe. Et puis c'est un garçon charmant, comme souvent les Marocains, parce que j'ai beaucoup d'amis marocains et des Marocains dans ma famille. Et voilà, c'est un joueur très agréable et une personne très agréable. Il est excellent parce que Zach est vraiment un personnage attachant, donc très vite il s'est intégré. En plus, on a plusieurs joueurs hollandais, donc comme il parle très bien hollandais, qu'il a vécu longtemps en Hollande, donc son intégration était aussi très facilitée par ses collègues néerlandais. Mais c'est quelqu'un de très qui aime ses coéquipiers, qui aime plaisanter, donc quelqu'un de très agréable. Donc il est très apprécié de ses coéquipiers. Son intégration a été très rapide grâce à ça. On voit qu'il y a une grande fraternité entre les Marocains, et que ce soit avant ou après le match. Autant pendant le match, ils ne se font pas de cadeaux, mais avant et après le match, on voit bien qu'il y a des affinités, puis une estime. Et c'est bien aussi, parce que le football, c'est ça, on est adversaire le temps d'un match, mais souvent on joue aussi contre des amis, et on sent bien que cette amitié-là, cette affinité est très présente chez nous. Je ne vais pas mettre la pression sur Walid. Walid sait mieux quels sont les joueurs qui doivent aller dans son groupe, parce que je ne connais pas bien toute la sélection marocaine. Je reste persuadé que c'est qu'un joueur qui peut aider la sélection marocaine. Mais vous avez tellement de talent dans votre sélection que ce n'est pas simple pour Walid de faire un choix. Mais en tout cas, nous, si Zakaria va à la Coupe du Monde, on sera très, très heureux et très fiers aussi. Moi, j'ai côtoyé un joueur extrêmement attachant. Nous, on avait des affinités parce qu'il était très proche de Rudy Garcia, qui était son entraîneur à Corbeil. Moi, je suis très proche de Rudy Garcia. Donc, ça, bon, très vite, on a eu des connexions. Puis, c'était un joueur, moi, je trouvais qu'il était très intéressant, avec un très bon profil, pareil, avec beaucoup d'activités offensives, défensives. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai toujours suivi sa carrière et elle est remarquable parce qu'il a fait... que des grosses performances partout où il est passé, donc ça prouve la qualité de sa qualité d'entraîneur. Et je ne suis pas surpris que le Maroc ait fait appel à lui pour la Coupe du Monde, parce que c'est un bon choix, c'est quelqu'un qui obtient des résultats et puis qui sait mener une équipe. Et je pense que c'est pas simple de gérer une sélection nationale, mais en tous les cas, lui il a tout le profil et les épaules pour gérer cette sélection au Mondial. Alors c'est pas un groupe facile, notamment en Belgique, c'est une des meilleures équipes d'Europe, ainsi que la Croatie. Mais s'il y a un outsider qui peut créer la surprise, je pense que c'est le Maroc. Ça va être extrêmement difficile, mais dans la difficulté, souvent les Marocains sont très bons.